l'itinéraire de la rivière de l'Ourcq et l'histoire de ses canaux ne laissent pas indifférents les amateurs de nature et de curiosité. Le canal de l'Ourcq est situé au nord-est de Paris, long de 109 km, et propriété de la ville de Paris. Il est alimenté par les petites rivières qui se faufilent dans le creux de la vallée de l'Ourcq. Son histoire débute au XVIe siècle. Catherine de Médicis, alors propriétaire de la forêt de Retz, située au bout de cette vallée, favorisa le projet de canaliser la rivière de l'Ourcq entre La Ferté-Milon et la Marne. Le but de canaliser la rivière de l'Ourcq était de permettre d'acheminer vers Paris le bois de chauffage et le bois nécessaire à la construction, dont celui de la charpente de Notre-Dame de Paris. Plus tard, le canal était creusé en amont de la Ferté-Milon pour pénétrer au cœur de la forêt de Retz. Les bateaux, alors limités aux petites dimensions et trop fragiles pour se lancer sur la Marne, ont laissé place aux trains de bois flottants ou à des bûches perdues, poussées par des écluses d'eau. Transport du bois, mais aussi transport du blé et des matériaux de construction. Forteresse des ducs d'Orléans de la Ferté-Milon domine l'Ourcq. Étrange façade plantée comme un décor de théâtre. C'est à l'ombre de la colossale architecture de ses remparts que le poète Racine voit le jour, le 21 décembre 1639. Fait partie des plus petites écluses navigables de France. Demeurée encore manuelle à ce jour, elle offre le charme d'une tradition de marine fluviale qui, peu à peu, disparaît. Encadrées d'une nature complaisante, les eaux calmes et sinueuses de l'Ourcq nous entraînent vers une succession de découvertes. Du pont-canal de Clignon nous révèle combien l'imagination des hommes et leur maîtrise des éléments les rendent inventifs.
19e siècle, Bonaparte aurait demandé à son ministre de l'Intérieur, Chaptal, « Je veux faire quelque chose de grand, d'utile pour les Parisiens. Quelles sont vos idées ? Donnez-leur de l'eau. Elle se vend à la bouteille à Paris. Il n'y a ni fontaine, ni abreuvoir, ni moyen de laver les rues. Il faut amener l'eau de l'Ourcq. » C'est au point les plus rapprochés de la Marne, à Villers-lès-Rigaud et Trilbardou, et en prévision des périodes de sécheresse, qu'on construit deux stations de pompage pour alimenter le canal en prélevant l'eau de la Marne. Ce sont les ingénieurs hydrauliciens Girard et Sagebien qui conçoivent en 1869 ces installations en parfait état de fonctionnement aujourd'hui. Installations inscrites à l'inventaire des monuments historiques. Elles assurent chaque jour les 350 000 à 400 000 mètres cubes nécessaires à la consommation du deuxième réseau de la ville de Paris en eau non potable. Répond aux besoins des caniveaux, des bouches d'incendie, du nettoyage des égouts, de l'arrosage des espaces verts de Paris et de la cascade des buttes Chaumont. Croisière, plaisir de la navigation de plaisance, amour partagé avec la nature, au fil de l'eau, au rythme du temps qui passe. Bonheur de s'entourer paisiblement jusqu'au cœur de la campagne briarde, grâce à l'itinéraire qui vous emmène de la capitale jusqu'à Meaux. Automatisé l'année dernière, en 1991, vous avez pu remarquer sur la droite des bornes blanches. Alors ces bornes blanches sont les bornes qui commandent d'écluse, nous avons donc la clé, il suffit ensuite d'appuyer sur un bouton.
Sevran nous rappelle que nous pénétrons dans la grande section, le retour vers Paris et l'architecture de la ville. Bientôt, le 21e siècle se dessine. C'est la Villette, son bassin, la Cité des Sciences, où les reflets magiques de la géode nous rappellent que le ciel et la terre ne font qu'un. Là encore, le pont de Crimée, dont il convient de fêter le centenaire. Et puis, l'architecture d'un autre âge. Avec la rotonde de Ledoux, qui nous fait savoir que nous sommes à la porte de la capitale.